Je me sens plus légère de vous l'avoir dit, même si je sais que c'est pas un truc de fou, mais Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les candidats de télé-réalité qui partagent leurs moments de joie sur leur premier jour de Ramadan. En effet, aujourd'hui a débuté le mois du Ramadan, très sacré pour les musulmans. Et beaucoup de candidats de télé-réalité ont fait le choix de le faire cette année, dont Mila Jasmine, Ahmed Taï ou encore Sarah Lopez. Avant de vous laisser avec la vidéo, nous souhaitons au nom de la chaîne Snap TV un très bon Ramadan aux musulmans. Team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Franchement, je me sens plus légère de vous l'avoir dit, même si je sais que c'est pas un truc de fou. Mais voilà, malheureusement, on fait un métier où on est souvent jugé parce qu'on est exposé, et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, en tout cas, je vais faire du mieux que je peux. Là, je vous cache pas que c'est pas que j'ai faim, c'est que j'ai soif. J'ai très mal géré puisque j'ai pas l'habitude et du coup je sais qu'on pouvait boire et manger jusqu'à 4h37 du matin et en fait j'ai arrêté peut-être de boire vers 2h du matin puisque j'étais KO et que je suis partie dormir et maintenant j'ai trop soif. Là j'attends Julia qui est en route, qui sort de chez Nico et Laura. On a pas mal de contenu à faire aujourd'hui donc je suis contente puisqu'en fait elle m'apprend à mieux faire mes riels, à mieux faire mon contenu sur Instagram, etc. Je rentre à la maison, je viens de sortir de la douche. Je vous souhaite à tous les musulmans, un très 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 bon Ramadan. Voilà, qu'Allah accepte nos prières et notre jeûne, et surtout qu'il nous pardonne nos péchés. Donc voilà, la famille. Gros bisous à tout le monde, passez un bon Ramadan, profitez de vos familles. Moi, je vous le dis, je vais faire quelques jours ici à Dubaï, parce que voilà, c'est un pays musulman et je l'ai jamais fait ici. Mais je vais rentrer dans quelques jours, c'est sûr. Moi, le Ramadan, c'est impossible que je ne le passe pas avec ma famille. Tous les Ramadans, je les passe avec ma famille. Et déjà, ça va me faire grave bizarre. Ça va me faire grave bizarre pour la première fois de toute ma vie où je vais faire les premiers jours de Ramadan sans ma famille. Ça va faire bizarre. En tout cas, voilà. Je vous souhaite à tous un très très bon Ramadan. Et profitez bien de vos familles, Inch'Allah. Vous allez bien. Bon, il est encore tôt chez vous. Voilà, pour tous les musulmans, je vais vous souhaiter un bon début de Ramadan. Je voulais vous dire aussi que nous, on va manger hyper tôt comparé à vous en France. Donc voilà. Je m'en excuse d'avance. C'est ça qui est bien aussi, entre autres, de le faire le Ramadan à Dubaï. C'est qu'il y a l'esprit déjà à Ramadan. Voilà, donc tout est fait pour que notre Ramadan se passe bien. Et aussi, on mange tout, on va pas se mentir. Voilà, donc.